polosa et simba lisute pour makam na moni kuna baton ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sang comme il faut place no always at sous te ah oyoki ay quitter polosa on na ba cha na kale na lomo na ke kuna na ke kuna là va on nous on en arrange non. Comment pour vraiment. Qui sait quoi? Et en plus, il y a des gens qui sont partout en Europe, dynamique, qui sont partout en Europe. Comment pour que mon salaire est commis partout? Partout. Tu es commis en Suède, tu es commis à Paris, tu es commis à Lille, tu es commis à Bruxelles, et puis base de la vie suédoise est toujours Londres, Angleterre. Bisson à dynamique Congo, deux ans pour avancer dans le colo. Troisième et dernière partie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Nous parlons de ce qui se passe aujourd'hui au Sénat. L'installation du Sénat semble avoir des petits soucis, mais en réalité, il n'y a vraiment pas un très grand problème. Les juristes, c'est vrai, se sont presque en train d'échurer sur la question. Il y en a qui estiment que le sénateur Kengo, le président du Sénat Kengo, n'a pas le droit de refuser une remise de reprise avec le bureau provisoire. Et d'autres, par contre, estiment que le président du Sénat n'est pas obligé non plus de faire une remise et reprise avec le bureau définitif, en fait, le bureau provisoire. Mais qu'en est-il en réalité, la question? Les gens confondent l'installation du Sénat et l'installation du bureau définitif du Sénat. C'est deux choses totalement différentes. L'installation du Sénat est une autre chose, l'installation du bureau définitif en est une autre. Le problème ici, c'est que dans la loi, nous avons les principes et nous avons les pratiques. La pratique parlementaire veut que le président du Sénat puisse faire la remise et reprise qu'avec un bureau définitif et non un bureau provisoire. Le secrétaire général du Sénat, de l'administration du Sénat, organise un bureau pour le bureau définitif afin qu'on expédie la validation des mandats des sénateurs, l'adoption du règlement d'ordre intérieur, et puis on va envoyer ce règlement au niveau de la Cour constitutionnelle pour conformité à la Constitution. Et puis après, ils vont organiser l'élection du bureau définitif. Quand il y aura un président définitif au niveau de l'Assemblée nationale, M. Kengo Ordondo n'aura aucune raison de refuser de faire une remise et reprise avec le monsieur, celui qui sera définitivement élu. Mais la grande question est laquelle? C'est que les gens demandent à M. Kengo Ordondo d'enfreindre une pratique parlementaire. Ce qui n'est pas normal et ce qui n'est pas logique. On peut beau ne pas l'aimer, mais sur le principe, tenons sur le principe et disons, bon, on est légaliste, on garde la loi. La loi prévoit des pratiques. Vous savez, c'est une question culturelle, malheureusement. Mais les gens ne le comprennent pas. Au niveau d'Israël, l'Israël n'a pas une loi. L'Israël n'a pas, pardon, la constitution écrite. La Grande-Bretagne non plus. Ce sont des lois qui ont été intériorisées, des valeurs qui ont été finalement des valeurs intrinsèques dans les esprits des gens, dans la culture même d'un pays. On respecte les lois, on respecte la pratique d'une loi. Et donc je crois que nous devons en principe copier le bien et laisser ce qui est mal. Et surtout, vous savez, quand les gens parlent de Kengo Ordondo, très souvent on parle d'un monsieur usurpateur et tout ceci, tout cela. Mais sur cette question-là, si on doit rester dans la question, je vous dis, il n'a pas tort. Hein? Vraiment, il n'a pas tort. Il est dans tout ce droit et que rien ne l'empêche. Vous savez, dans un pays sérieux, quand vous entendez des discussions sur la Constitution, essayez d'écouter les constitutionnalistes. Qu'est-ce qu'ils disent? N'écoutez pas tout juriste, tout simplement. Ou n'écoutez pas les maçons ou les politiciens qui veulent parler de la question essentielle sur, par exemple, le droit administratif. Par exemple, donc vous prenez le temps d'écouter ceux qui connaissent la chose. Avez-vous vu, avez-vous entendu un publiciste sérieux, un professeur condamner cet acte? Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent que s'attaquer à ce que M. Kengo Ordondo fait, c'est s'attaquer vraiment à la science, c'est attaquer à la loi, ce qui n'est pas normal. Les gens m'ont même dit, non mais écoute, au niveau de l'Assemblée nationale, cela a été fait. Mais si cela a été fait en violation de la loi administrative, faudrait-il continuer à violer les choses parce qu'une violation a été faite? Il faut éviter les jurisprudences suicidaires. C'est très important, un peuple ne suit pas des jurisprudences suicidaires. On suit des jurisprudences qui font vivre et qui font avancer les choses. Question-réponse maintenant. On va répondre aux questions des Congolais qui vivent à l'étranger et des autres. Sapati Njata,
Les organismes des Nations Unies ont lancé un appel faisant état d'une croissance en malnutrition dans le monde, précisément en Afrique. Pendant que le projet de Félix ne donne pas précisément de la place à l'agriculture, je me demande si Félix réduira le taux de malnutrition toujours sur le minerai. Non, le projet de son jour donne une place importante à l'agriculture. Non, c'est très important. Ça donne une place importante à l'agriculture. Mais mesdames et messieurs, ne jugeons pas Félix sur base de ses 100 jours. Je répète encore, le 100 jours ne sont pas le programme d'action du gouvernement. Le 100 jours sont ce qu'on appelle des plans d'urgence. Il ne réglera pas le problème de tout le pays dans le 100 jours. Non, c'est très mal comprendre la chose. C'était les go. C'était on donne un go comme ça. On va aller dans cette façon-là. On donne un temps. Mais ce n'est pas ce qui va définir la politique générale. Non, pas du tout. Pas du tout. Pacom Kawetche. Kagame, comme président de l'Union africaine, était contre la proclamation de Félix par la Cour constitutionnelle, car il est le dernier la Mouka. Il est derrière la Mouka. Pourquoi Félix, avec son projet d'investissement sur les opérateurs économiques rwandais? Je dois vous dire, on ne développe pas un pays par la haine ou par des contre... comment est-ce qu'on appelle ça encore? Les règlements de compte. Non. Félix n'a aucun intérêt d'être en conflit avec un président d'un autre pays. Et surtout, ce sont nos voisins. On n'a pas besoin d'entretenir des relations conflictuelles. Au contraire, on a besoin d'entretenir des relations de respect, des relations d'indépendance, d'auto-assumation. Et je crois que c'est peut-être la bonne chose. Des responsabilisations à la place d'auto-assumation, qui est un concept que j'ai à un moment donné créé comme ça. Mais donc, c'est vrai, l'Union africaine était aussi pour la Mouka, parce que il faut dire que l'Union africaine, monsieur Kagame, bon, il estimait qu'il allait mettre de l'ordre. Malheureusement, il n'a pas pu mettre de l'ordre ici, parce qu'il y avait déjà une sorte... Apollinaire, Marsa. Christian, quelle lecture faites-vous personnellement sur ce qui se passe en Algérie? Vois-tu encore ces cas se reproduire en RDC? Non. Pourquoi? Je vous explique. On doit lire l'histoire pour comprendre que certains faits ne peuvent plus se passer. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui se sont déliés, d'accord? Qui, aujourd'hui, parlent de choses qu'on ne pouvait pas imaginer longtemps. Il y a un monsieur qui m'a appelé en Allemagne. Il me dit, Christian, mais tu as un courage que moi je n'avais pas avant. Aujourd'hui, il a 60 ans, il me dit, si nous avons fui parce que nous n'avons pas eu votre courage. Vous êtes à Kinshasa, vous dites des choses comme ça, mais comment vous faites? Comment faites-vous après? Voyez-vous, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne pourront plus revenir au Congo. Non. Regardez, l'esclavage a pris beaucoup de temps que la colonisation. La colonisation a aussi pris beaucoup de temps que la dictature. Vous avez vu? La dictature a eu beaucoup plus de temps que les hybridités. La gouvernance hybride. Celle que M. Laurent Désiré Kabila nous avait amenée. On a eu des brins de dictature et des brins de démocratie, ce que j'ai appelé à un moment donné la démocrature. C'est un terme accepté par le professeur Jacques Njoli. Et M. Kabila Joseph va venir nous mettre ce que moi j'appelle encore la démocratie. Ça veut dire l'assassinat de la démocratie en le maintenant à l'agonie. Une démocratie suffocante. Elle est en train de suffoquer. Une démocratie de convulsion. Et donc on a amené ça comme ça. Mais bon, et puis après, vous avez vu, non? Lui aussi n'a pas pu faire 32 ans. Il a fait 16 ans, 18 ans, je veux dire. Le règne de Kabila, toute la Kabylie, Kabila le père, Kabila fils, c'est une sorte de 20 ans. Mais vous pouvez me croire. Vous pouvez me croire sur parole, aucun président ne fera 15 ans au Congo. Aucun. Personne ne pourra faire 15 ans au Congo parce qu'on ne lui permettra pas. Félix Tshisekedi va faire le premier mandat. S'il a la chance, il fera le deuxième mandat. Ça aussi, quelqu'un m'a fait rire. Il me dit, non, il ne peut pas faire le deuxième mandat. Ils ont eu un accord avec Kamere, que ce sera Kamere, le prochain président de la République. Bon, ça ne me concerne pas. Moi, je vous parle de ce que la loi dit. La loi, notre constitution dit, un président peut faire un deuxième mandat. Donc, s'il peut faire le deuxième mandat, bravo à lui. Comment il va arriver? Bon, ce sera lui-même qui verra comment il va le faire. Et mais donc, personne ne pourra faire 15 ans. C'est fini. Et quand on aura fait les 10 ans, les deux mandats, on va quitter aussi la culture de deux mandats, on arrivera à la culture d'un mandat aussi. Pas qu'on ne vous oblige, non, mais parce que le peuple sera tellement éveillé et le peuple voudra que si tu as fait un mandat,
eh bien après, si tu n'as pas été à la hauteur, on met quelqu'un d'autre. Et je crois que nous allons comme ça. Donc ce qui s'est passé en Algérie ne peut pas se passer chez nous au Congo. Pas possible. Ça ne peut pas. Ça s'est arrêté avec Kabila et on n'acceptera pas avec quelqu'un d'autre. Ce qui s'est passé en Algérie peut par contre se passer au Gabon. Peut par contre se passer en Guinée équatoriale, mais pas au Congo. Au Congo, il faut dire qu'on est à l'abri déjà. Nous avons fait un très bon pas, cette alternance douloureuse, cette alternance difficile, cette alternance qui titube, cette alternance qui suffoque un peu aussi. Mais bon, on va dire, ça va, ça peut aller. Pourquoi je dis que ça peut aller? Parce que quand un enfant est né, on ne regarde pas s'il est né dans la césarienne, par césarienne, ou il est né en route ou à l'hôpital. Le plus important, c'est que nous regardons l'enfant. Est-ce que l'enfant est congolais? Oui. Est-ce que l'enfant a un père congolais? Oui. Une mère congolaise? Oui. Est-ce que l'enfant évolue ici? Oui. Il est en bonne santé? Oui, allons-y. Mettons-le, aidons-le pour grandir. Et nous allons l'aider à grandir. C'est le cas de ce que nous avons. C'est le cas de notre alternance. Pas de Félix Tshisekedi, mais de notre alternance. Nous l'avons eu douloureusement. Eh bien, nous devons la protéger. C'est voilà un peu mon analyse sur la question. Apollinaire Marsa, Christian, je suis répondu à la question. Joël Kayembe, Christian, l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage dénonce les injonctions faites au directeur de RTNC et de Télé 50 de ne pas diffuser des reportages sur l'ancien président Joseph Kabila. Félix vise-t-il une dictature de presse? Moi, je vous pose la même question. Combien de fois avez-vous vu Hollande à la télévision française? Combien de fois l'avez-vous vu? Combien de fois avez-vous vu Obama à la presse américaine? Combien de fois? On ne le voit que quand il y a des conférences ou quand il y a quelque chose de très important qu'on le voit. Il faudrait dans la culture de l'homme qu'il comprenne quand on n'est plus au pouvoir, on doit éviter de se faire un peu de l'image à la télévision. On doit éviter. La loi ne l'interdit pas, je le dis, mais par moments il faut savoir s'effacer. C'est très important, ça reste dans la culture morale, je vais dire ça comme ça. Dans même le bon sens, on s'évite un peu, on s'éclipse un peu. Sinon, ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. Il faut laisser les réseaux sociaux le faire. Mais pas des médias traditionnels, commencer à diffuser à tout moment. Sinon, il y a une sorte de cacophonie. Et puis, le temps est suspect. Le temps est suspect. Plus vous diffusez les images de Félix Tshisekedi et vous y diffusez les images de Kabila Joseph, dans la tête des Congolais qui n'ont pas été, à un moment donné, il y en a qui ne sont pas totalement instruits, il y a d'autres qui ne sont pas encore, les blessures ne sont pas encore, je dirais, refermées, cicatrisées, ça passe pas bien à l'opinion. On a comme l'impression qu'il y a deux présidents. Parce que, on va prendre un exemple. Kabila Joseph reçoit des gens chez lui. C'est bien, n'est-ce pas? Il reçoit des gens. C'est normal. Il reçoit des gens, il consulte et tout. Mais dites-moi, quand on diffuse cette émission à la télévision, comment on explique aux gens? Comment on explique aux gens? Pourtant, c'est bien, c'est normal. Mais dans l'opinion, ça ne passe pas. Et dans l'opinion, ça peut créer des frustrations inutiles. Voilà pourquoi il est de bon aloi, je veux dire, le bon sens nous demande de dire à certaines chaînes de télévision, dosez un peu. Vous allez diffuser les images de M. Kabila, oui, mais attendez un peu, le temps est suspect. Est-ce que je suis en train de dire que la loi l'interdit? Non. Est-ce que je suis en train de dire que ce qu'ils font est contre, c'est une infraction? Non plus. Mais je parle à l'issue du bon sens. Je parle à l'issue du bon sens. Vous pensez vraiment que M. Hollande ne reçoit pas des gens chez lui? Vous pensez vraiment qu'Obama ne reçoit pas des gens chez lui? Combien de présidents sont allés voir Obama après son mandat? Est-ce que on a diffusé ça à la télévision américaine, on va voir, non, le président Obama a reçu telle personne, est-ce qu'on en a besoin? Laissez les réseaux sociaux en faire, vous êtes déjà dans les réseaux sociaux, publiez ça sur YouTube, si vous voulez, mais pas dans les médias. Parce que quand ça passe dans nos médias traditionnels ici, ça dérange dans la psychologie des gens, ça dérange. Moi, je crois que je peux trouver ça comme raison. Et ce n'est pas bien. Mais dire qu'on interdit, c'est une dictature de presse, non, je ne vois pas ça comme une dictature de presse. Je ne vois pas. Aya Marlène. En Bujimaï, les militants de la Lucha manifestaient contre la hausse des prix des carburants. La ville les a autorisés de manifester, mais contre toutes les attentes, 8 d'entre eux sont arrêtés. Pourquoi la continuité de la barbarie de Kabila? C'est ça le changement tout promis? Tant promis, je dois dire aussi que nous devons changer dans notre manière de revendiquer. Ici, il y a la responsabilité de tous les deux camps.
Depuis très longtemps, j'ai toujours critiqué la manière dont les opposants prennent la question au Congo. Vous pouvez revendiquer, mais quel est le lien entre revendication et casse? Même en Europe, même en France, quand il y a des casses, il y a des interpellations. Même en France, quand il y a des casses, il y a des interpellations. Même les gilets jaunes, il y a eu parmi eux qui étaient interpellés. On allait même à 400, 300, 200 interpellations. Non, ne créons pas une république idéale qui n'existe pas. Créons une république dans les normes, dans le respect des principes. Vous voulez revendiquer, faites-le démocratiquement. Faites vos marches tranquillement, sans casser, sans insulter, sans faire sans troubler l'ordre public. Je crois que c'est aussi important. Mais en même temps, aucune raison, je veux dire, la police n'a aucune raison de tirer sur les manifestants. Félix Tshisekedi, dit le président, a été clair quant à ce. Aucun policier n'a le droit de tirer sur un manifestant, peu importe la situation. Sauf si la vie de celui-ci est en danger. Mais pour l'instant, je ne vois pas un manifestant venir tuer un policier. Je ne le vois pas. Même s'il faut prévoir aussi des cas parfois virulents. Mais il est question de dire à nos forces de sécurité, les manifestants ne sont pas vos ennemis. Vous ne tirez pas sur les manifestants. Vous avez une force dissuasive. Trouvez les moyens pour recadrer, pour contenir les manifestants, mais pas les persécuter, pas les tuer. Ce n'est pas important. Donc ici, la responsabilité est partagée. Et donc, il faut voir la profondeur de la question. Christian, après avoir vu votre travail, je me suis décidé, ma femme et moi, de vous offrir un voyage à Dubaï et, ou en Tanzanie pour un mois. Il est temps que l'on te rende ce que vous nous donnez. Vous et votre équipe, Omo et Jérémy. Vous connaissez déjà. Jérémy s'appelle Maikandi Mangboko. C'est ça son nom. Maikandi Mangboko, le frère de Bemba et le frère de Mobutu. Merci, hein. Merci pour la famille. Non, on est prêt, mais un mois, ça sera beaucoup pour nous. Je ne me vois pas en train de faire un mois à l'étranger. Je ne vois pas. Je ne pourrais pas faire un mois à l'étranger. Ça va être difficile pour moi. Je ne tiendrai pas longtemps. Je ne peux faire qu'à la limite 2 semaines. Ou si c'est vraiment exagéré, 3 semaines. Mais vraiment 2 semaines, c'est bon pour moi. Parce qu'il faut que je rentre au Congo. C'est ici la base. C'est ici qu'il faut travailler. C'est ici qu'il faut faire des très bonnes choses, quoi. C'est ici. Mumbere Katembo. Si Félix déloge le serpent Cobra Kabila qui est protégé dans la cage Kingakati par Fachi, car les ADF Nalu ont repris en force à l'État, mais aucune presse n'en parle. C'est le même silence qui a régné à l'époque de Kabila qui a tué des militants, des millions de frères et Félix dans la continuité. Bon, monsieur Mumbere, déjà vous avez appris, non? Donc c'est qu'on en parle, c'est pas des silences, sinon vous ne serez pas informé. Vous êtes informé parce que les gens en parlent. Voilà, donc je crois qu'il faut le dire comme ça. Landry Maka, Christian, il y a eu incendie dans une fonderie à la 17e rue Limétée. On a enregistré plusieurs blessés et des morts. Mais on refuse l'accès à ces informations par la police et les services de sécurité, car cette fonderie appartient à des étrangers collaborateurs de Kimbuta et autres personnalités du FCC. Dénonce cette mafia. Je dénonce cette mafia, mais après avoir vu... Après avoir rencontré, d'accord, que j'ai les éléments, ça me permettra de pouvoir établir le lien. Parce que s'il y a l'incendie au niveau d'une fonderie, le problème peut ne pas être parce que ces gens-là sont liés à tel ou à tel autre. Mais peut y avoir peut-être une négligence. Il peut y avoir des responsabilités qu'il faut établir. S'il y a eu des blessés, il faut que les gens payent pour ça. Je suis très convaincu qu'il faut que les gens payent. Et je suis d'accord. Siméon Banza. Toutes vos leçons sont bonnes et sont entendues dans la ceinture du président Félix. Mais parle également de toutes les dettes publiques que l'État a envers le particulier interne et sociétés para-étatiques telles que la SNEL et la Régie des eaux. Si Félix arrive à payer tout ça, les travailleurs décolleront en paix. Je suis d'accord avec vous, M. Siméon Banza. L'État congolais doit beaucoup à la SNEL, mais la SNEL doit beaucoup à elle-même aussi. La SNEL doit beaucoup à elle-même. La SNEL a un problème d'organisation. La SNEL a un problème de leadership. Il y a eu de mauvais choix au niveau de la tête de la SNEL. Et là, il faut décrier ce problème. Il faut dire que nous avons besoin des hommes bien, des leaders, des gens qui comprendront comment on va faire pour sortir le pays. On n'a pas besoin de consommateurs, on a besoin de travailleurs. Mais vous avez aussi la culture de l'insolvabilité. L'État congolais lui-même, quand il loue des maisons, il ne le paye pas. Vous avez vu comment on a fait marcher M. Mokia ? On l'a fait marcher. On l'a fait marcher. Ce sont ses biens à lui. Ce sont ses maisons. L'État congolais a loué ses maisons. Mais un État insolvable.
Alors quand l'État lui-même est insolvable, je me pose la question, où allons-nous? Il faut arrêter avec l'insolvabilité. La dette intérieure est un levier de la paix sociale. Quand la dette intérieure est payée, quand l'État congolais n'a plus de dettes intérieures, les choses vont changer. Et il faut arrêter cette histoire. Vous me devez $1 million parce que vous êtes Premier ministre, vous me demandez 40% de ce que vous allez me devoir. C'est mon argent. C'est mon argent. Je n'ai pas à vous donner 40%. Je n'ai pas à vous donner 30%. Et ils vous disent, hein, le Premier ministre vous dit, si tu ne le fais pas, on ne te payera pas. Alors il faut dénoncer ces choses-là. Il faut les dénoncer. Moi, je demande aux gens à qui l'État doit d'aller dénoncer. Dénoncer jusqu'au bout que l'on vous doive, que l'on vous donne votre argent jusqu'au petit, au tout dernier sou. Il est très important. Arsène Kachala. Est-ce qu'un avocat qui s'est méconduit dans le vol et le détournement des deniers publics peut-il se voir retirer dans le conseil de l'ordre des avocats? Oui, s'il y a plainte, on saisit le conseil et le conseil va appeler l'avocat, il va l'entendre, il passera une commission disciplinaire et si le conseil estime que les faits sont graves, le monsieur sera tout de suite omis. Il y aura ce qu'on appelle en droit l'omission. Il est omis. Et parfois radié même, il y a des possibilités de le radier, de la radiation. Il y en a qui ont été radiés, il y en a qui ont été simplement omis. On peut vous omettre comme ça, et puis c'est fini, vous attendrez beaucoup. Ou on peut vous radier définitivement. Un avocat ne peut pas voler. Un avocat ne peut pas tricher. Un avocat ne peut pas mentir. Un avocat ne peut pas faire la publicité de son barreau. Un avocat ne peut pas aller chercher un client. Un avocat, c'est un homme intègre. Un avocat ne fait pas de promesses aux gens pour dire qu'on a gagné l'eau à faire ou non, non. Un avocat reste dans les principes. Il dit, je vais travailler, si ça marche, c'est bon. Parce que l'avocat n'est pas tenu par le principe par l'obligation, de résultats. Lui, il est tenu par l'obligation de moyens, pas de résultats. Ouais. L'avocat, le médecin, c'est l'obligation de moyens. Parce que le médecin, lui aussi, il ne peut pas garantir à quelqu'un la vie. Il ne va pas dire, non, il ne peut pas. Comme l'avocat ne peut pas dire qu'il y a un roulon qui sort dans le cambo. Parce que la décision, c'est le juge. Voilà. Donc, c'est très important, quoi. Patrick Kabima. Maintenant, je voulais dire un peu sur la question d'avocat. Mais moi, ça m'arrive beaucoup. Hein. Quelqu'un t'appelle et dit Nangi, oh, gagne l'inga à faire. Mais je peux me battre comme ça, gagner l'inga. Ça arrive. Ce n'est pas que je suis faible. Non. C'est que je n'ai pas gagné. Parce que les éléments que j'avais n'ont pas permis que je gagne. Ou que le juge en question n'a pas estimé que moi j'avais un bon argumentaire. Mais ça ne fait pas que je sois faible. Ça peut être la corruption. Oui, ça peut être aussi la force de l'autre. C'est tout à fait possible. Un avocat ne peut pas forcément gagner à tous les procès. Non, ce n'est pas parce que vous gagnez à tous les procès que vous êtes un grand avocat. Un avocat est celui qui empêche le pire à son client. Empêcher le pire à son client. Voilà. Est-ce que... Bon, voilà. Patrick Kabima. Christian, où est Félix dans l'affaire employé fictif au sein de la fonction publique? Faut-il toujours attendre le gouvernement pour éradiquer ce phénomène? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut un autre gouvernement pour restructurer les choses, pour commencer un début. On ne peut pas construire une solution avec le problème. Ce qui constitue le problème. Ce gouvernement constitue le problème du Congo. On ne peut rien espérer avec eux. Il faut passer à autre chose. Mais maintenant, il faut avoir des mesures d'urgence. De mesures d'urgence, ça veut dire essayer de revoir. C'est pourquoi il faut passer par le recensement. C'est très important. Les recensements au niveau de l'administration. Passer par des contrôles physiques. Pas des contrôles, il y a blague. Non, des contrôles physiques. Qui est qui? C'est là que vous allez trouver certains agents de notre service, de notre administration, ont 14 ans. Il y a beaucoup de mineurs qui ont des numéros matricules. Beaucoup. Parce qu'ils fils d'eux, petit-fils d'eux. Il y en a tout ça. Beau-frère d'eux, copine d'eux. Il y en a. Il y en a. Et il faut bannir ça pour avoir une bonne administration. Et je crois que le président devra travailler là-dessus. Médard dit tout tout. Qu'est-ce que le pays prévoit pour les obsèques de Lutumba et Liolo? C'est la créativité et la gestion de pareilles situations que le groupe qui accompagne Félix sera applaudi. Oui, je crois qu'il y a un groupe qui est... un comité qui va être mis en place. Moi, j'ai demandé que ça soit dirigé par... comme ils sont tous des artistes, j'aurais préféré que ça soit dirigé par le professeur, monsieur Nyoka Longo, et puis la Sokoda peut-être, et avoir un comité mixte.
Moi, je ne conçois pas qu'on laisse entre les mains des ministères de la justice. Non, pardon, de la culture, non. Je ne vois pas. Je ne vois pas ce ministère travailler convenablement sur la question. Nixon Badi, te suivre n'est pas une perte de temps. Courage, j'aime ton raisonnement. Merci beaucoup. Adrien Koumanda, ton émission pêche par une analyse didactique de la situation politique du pays. Tout ce que tu dis serait applicable dans un pays normal. Mais au Congo, tout marche à l'envers. Merci Ndekonabiso. Oui, Ndekonangaï. Ce qui est Tambola normal, qui peut faire pour que Mbouke Tambola normal? C'est nous, non? Quand il y a une sorte d'anormalité, mais c'est nous qui rendons ça. Vous savez, dans aucun pays du monde, les situations ont été bonnes, tranquilles. Non, il y a des gens qui ont trouvé des situations très mouvementées et par la capacité qu'ils avaient de résoudre le problème, ils l'ont fait. Ne soyons pas des pleurnicheurs, ne soyons pas des plaintifs et des fatalistes, ne soyons pas pessimistes. Regardons dans la bonne direction parce que c'est l'homme qui répond aux questions que la société lui pose. Un homme qui n'a pas de réponse, un homme qui ne vit pas, un homme qui n'existe pas. La normale peut être normale, l'impossible peut être possible, la difficulté peut être une possibilité. Les obstacles peuvent se transformer en opportunités. C'est une question de vision et de perception. Comment voyez-vous votre pays? C'est tout. Mwanamboka, Christian, il s'appelle Mwanamboka, voilà. Christian, peux-tu apporter la preuve de la victoire de Félix? Cohabitation ou coalition, Kabila reste maître de jeu. Tu devras sortir un peu de tes cours de droit constitutionnel pour apprendre le projet machiavélique évoqué par notre prix Nobel. Une petite dose d'analyse politique ne serait pas mal. Oui, merci Mwanamboka, mais c'est tout ce que je fais déjà. Il n'y a pas un pays sans droit. Il n'y a pas un pays sans droit. Il n'y a pas un pays sans droit constitutionnel. Il n'y en a pas. La victoire de Félix Tshisekedi dit « Je ne suis pas la CENI et ce n'est pas à moi de demander des preuves de la CENI. Je n'ai jamais contesté sa victoire pour en apporter des preuves. Je n'ai jamais contesté sa victoire. C'est à ceux qui contestent la victoire de Félix qui doivent apporter des preuves. Pas moi. Moi, j'ai accepté la victoire de Félix depuis le premier jour. Depuis la proclamation, d'ailleurs. Et souvenez-vous, j'étais parmi ceux qui avaient déjà prédit qu'il allait, il allait gagner avec 38%. Je ne sais pas comment je le savais, mais je l'avais dit déjà. C'est pourquoi vous avez un monsieur comme Israël Mutombo, quand il me dit, mais yo, mon arangonengenin. Il m'a même fait rire aujourd'hui en me disant « Mais si tu vas gouverner, tu vas combien de pourcents ?» Pour mettre un grave pourcentage. Or, en réalité, c'était simple pour moi dans les analyses. J'avais donné le pourcentage de Félix et fait arriver exactement comme je l'avais prédit. Le problème, c'est moi, je ne suis pas la centrale électorale, je ne suis pas la CENI pour vous apporter des preuves. Non, pas, ça, ce n'est pas à moi. C'est ceux qui contestent sa gouvernance qui doivent amener son élection, qui doivent apporter des preuves contraires. Voilà. Si vous apportez les preuves de Félix, de Fayoul, c'est aussi mieux. Mais si vous apportez ces preuves, les preuves aussi de Félix, c'est aussi bien aussi. Alors, quoi d'autre? Abelito Senga. Christian, tu sais combien le monde te jettera un discrédit si ton candidat Deoka Songo ne fait pas la volonté de Kinoa et s'il échouait dans la gestion de cette province? Non, moi j'ai parlé de l'homme. J'ai parlé de projet de l'homme. Je n'ai pas dit que cet homme est obligé de réussir ou de chouer. Je dis que je crois à un homme et s'il échoue, parce qu'il fait mal les choses, je me serais trompé. Je suis un humain. Je me serais trompé par mon choix. Je ne dirais pas, oh non, mais écoutez, je ne porte pas son bilan. Je crois que M. Deoka Songo porte des bons projets et j'estime qu'il peut changer les choses. J'estime qu'il en a l'énergie et qu'il a une très bonne colistière avec qui ils peuvent bien travailler. Ils ont de très bons projets pour Kinshasa. Et je ne vois pas un autre candidat en avoir. Pas seulement cela, mais le monsieur n'est pas inquiété par la loi. Il n'est pas inquiété par aucun rapport. Il n'est poursuivi par rien. Il a une entreprise opulente. Il a une expérience dans le privé pendant 17 ans, applaudie par des banques à Kinshasa. Je crois à un moment donné, on doit rendre honneur à des gens pareils et leur dire, bon, vous allez essayer pour voir ce que ça peut donner. Lui-même est un entrepreneur, il a réussi dans l'entrepreneuriat. Il peut donc inspirer beaucoup dans cette question-là. Il a un projet important sur la salubrité à Kinshasa. Voyez-vous, il va lutter contre les salubrités. Alors moi, je dis quelqu'un qui va déjà lutter contre les salubrités, qui va lutter contre la criminalité juvénile ici, ce que moi j'appelle le banditisme urbain. Et donc, quand quelqu'un vous propose cela, quand il propose des projets d'ambition, de divertissement, étant donné qu'il vient lui-même du culturel, il va trouver des solutions à ces problèmes-là. Je me dis, bon, tentons. Mais si lui-même ne le fait pas, si lui-même il détruit, pardon, il trahit sa vision, sa mission, alors ça ne sera pas mon problème, n'est-ce pas? Ça sera son problème à lui. Mais jusque-là, je le soutiens.
C'est pourquoi le débat au Katoum Nani Fayulu a voté Kimbuta. Non, mais Fayulu a voté Kimbuta. Fayulu n'a pas voté la saleté de Kimbuta. Non. Fayulu a voté pour Kimbuta. Fayulu n'a pas voté la médiocrité de Kimbuta. Il a voté l'homme parce qu'il avait estimé que l'homme était porteur de certaines valeurs. Et c'est à lui de voir les valeurs en question. Et donc aujourd'hui, attribuer l'échec de Kimbuta à Fayulu, c'est vraiment malhonnête et ce n'est pas bien. C'est malhonnête, ce n'est pas bien. Kanko Chibasu. Christian, quand nous disons que Kabila égale à Félix, tu nous condamnes. Voilà qu'un proche de Félix est cité par un assaillant au Nord Kivu dans la vente des armes. Est-ce que cela va changer à apporter la paix en RDC si Félix collabore avec les mêmes têtes? Moi, je peux vous dire ici, c'est vous qui m'informez. Mais si cet assaillant-là est sérieux dans ce qu'il dit, eh bien, on doit prendre des mesures importantes, d'être intraitable vis-à-vis de ces gens-là. Je crois que ça peut répondre à votre question, mais je n'ai aucune preuve de ce que vous avancez là. Voilà. Saint-Paul Moutombo, est-ce que notre loi prévoit aussi la déclaration de biens du président de l'Assemblée nationale et provinciale, du président du Sénat et du Premier ministre? Tibala l'a déjà fait à Matata et Matata. Non, la loi ne prévoit pas pour les députés, non, mais c'est par contre pour les membres du gouvernement. Oui, il est membre du gouvernement. Monsieur Tshibala, je ne sais pas s'il a fait ou pas, ça je n'ai pas cette information. Et on verra Monsieur Matata non plus, je ne sais pas. Mais il faut qu'on essaie de voir un peu l'université là, qu'est-ce qui s'est passé, le financement peut-être. C'est important de le voir. Agbonse Viluka, merci beaucoup pour le torchon de Novelas. Ton émission mettra fin un jour à la distraction intellectuelle. Nzambe Apambolayo, Apambolapeyo papa. Peter Mobutu Lumbe. Pourquoi en RDC, seule l'Église catholique lève le ton sur la politique? Pourquoi d'autres confessions, bien que majoritaires, ne font rien comme recommandation à la politique du Congo? Entre les deux, catholiques et autres confessions religieuses qui suivent la voie de Dieu. Bon, suivre la voie de Dieu dans quel sens? Ça aussi, il faut discuter. Les églises des réveils, oui, il y en a qui parlent. Elles sont regroupées en des départements, je ne sais pas moi, des corporations, les églises du Christ, tout ça. Ils se sont à un moment donné prononcés. Mais c'est vrai, l'envergure, c'est l'Église catholique qui donne les tons. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour l'Église catholique, en tout cas, beaucoup de respect. Jimmy Kanga, merci et courage pour ton combat. Tu es un homme vertueux et un modèle à suivre. Accroche-toi à la vérité et tu réussiras. Et ta force aujourd'hui, laisse-moi te dire, reste dans ta neutralité et ton impartialité. Tu connais nos lois et tu maîtrises bien le problème du Congo. Bravo à toi, Christian. Il y a quelqu'un qui me dit aussi, Christian, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Moi, je dis merci toujours. Merci beaucoup. Benjamin Tsakala, qu'est-ce qui se passe avec ton œil gauche? Qu'est-ce qui se passe avec ton œil gauche? Il semble que tu as une conjonctivite unilatérale. Hé hey! Combien de conjonctivite unilatérale? On une pôle Apollo. On une Apollo. On une conjonctivite unilatérale. Bon, on a une phrase à ma casse. Conjonctivite unilatérale. Oh, malade, bang, ça casse. Parce que la conjonctivite, on le voit, il y a magnose. Batala, on dit, comment tu vas? Hypothalamus. Oh non, monsieur, tu as un problème au niveau du dysfonctionnement de l'hypothalamus. Aïe, Seigneur Simba. Nous autres, moi, on a confiance. Donc, je ne sais pas. J'ai un problème depuis, je crois, depuis que j'ai 10 ans. J'avais des problèmes au niveau. Mais ça me fait pas mal. Pas du tout. Ça me fait pas mal. Mais il faut peut-être que. Il faut voir ça autrement. On va le faire. Midel Ndevou. Ah, mais c'est pas possible. Tu as toujours un œil coloré en rouge. Tu souffres des yeux. Nous te soutiendrons pour ton soin ici en Europe car nous te voulons en bonne santé. Christian Midel Ndevou, je ne sais pas si je suis vraiment malade. Hein. Je ne sais pas. Il faut peut-être voir un médecin. Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fait pas mal. Regardez. Pas du tout. Ça ne fait pas très mal. Je peux voir bien. Au moins un polo USA. J'ai remis une chemise blanche. Je peux voir. Ça aussi. On a une caméra Canon. Je peux voir. Non, c'est bon. Je peux voir. Ça va encore. Attendez-moi qu'on sera en Europe. On va faire un check-up là-bas. Muriel, Christian, j'ai appris que vous allez faire la sortie officielle de Congo Buzz le 1er mai de cette année. Qu'est-ce que je peux vous offrir pour pallier, ne fût-ce qu'à la boisson des invités? Merci déjà, mais le 1er, ça va être chaud. Ça sera une soirée en blanc. Figurez-vous, en blanc, on invitera les gens, on pensera les temps, on discutera. Et c'est ce jour-là que vous allez profiter pour voir Homo. Et je peux vous dire aussi la vérité, c'est que Homo fête son anniversaire le 18 juillet. Les 18 juillet, oh mon bébé Homo,
il fête son anniversaire. Oh, mon tout mignon, il fête son anniversaire. Et Jérémy Maïkan dit, non, mais le gars a 1m90, quoi. Le gars a 1m90, il a des fossettes en plus. C'est le seul homme que je connaisse qui a des fossettes. Ben, ils sont merveilleux, mes jeunes frères. Merveilleux, mes frères. Merveilleux, mes amis, mes collaborateurs de tout le temps. Quelqu'un m'a fait rire en me disant, depuis Okumana Baomo, Oboya Bissonyo, Solingarsu Bissoté. Mais non, mais ils me donnent beaucoup d'amour, ces jeunes gens. Quand ils le regardent, quand ils parlent, mais je. Non, mais. Non, Omo, je dois vous dire la vérité, quoi. Vous me donnez l'envie de vivre encore. Hein, Jérémy et Omo, vous me donnez l'envie de vivre. Je suis très content de vous avoir rencontré. On va continuer ensemble. Battons-nous. Battons-nous. Travaillons, c'est mieux. Hein, c'est mieux. Faisons pas comme les autres qui se divisent au bout d'une année et deux ans. Nous, on va surmonter cette question. On va travailler, on va prouver aux Congolais que les Congolais peuvent travailler ensemble, même quand ils viennent des origines totalement différentes. Mon père, c'est le travail. Ma mère, c'est le travail. Et je crois que c'est pareil avec vous, n'est-ce pas? Très bien. Alors, on va terminer. J'étais une fois entendu parler des mamans qui t'aiment beaucoup. Sais-tu pourquoi? Toutes les mamans aiment les enfants intelligents, polis, courtois, intègres et crédibles. Calvin, oh, merci beaucoup. C'est vrai, hein, les mamans m'aiment beaucoup. Maman Véro, maman Pauline, maman Gina, maman Béa. Maman Béa fait mon amie, fait ma collaboratrice, c'est mon tout ça. Et puis, et qui d'autre? Beaucoup de mamans, hein. Maman Annie, beaucoup de mamans. Maman Joël, hein, elle ne sait pas une maman, hein. Maman Laurette, maman, qui d'autre? Qui d'autre? Maman Minette, et qui d'autre? Maman Charlotte. Elles sont, je vous dis, nombreuses. Que des mamans qui m'aiment beaucoup. Je vous dis merci beaucoup. Et surtout les papas aussi, hein. Les papas m'aiment beaucoup. Je vous dis merci. Partagez la vidéo, ça sera un très grand plaisir. Ceux qui veulent nous aider, n'hésitez pas de le faire. Appelez-nous, on est ensemble, on va discuter. Mesdames et messieurs, je ne suis pas prêcheur. On dit ça, prédicateur. Je ne vous prêche pas. Ce n'est pas de l'évangile. Je suis un homme, j'ai des failles. Alors beaucoup de failles. Si vous sentez qu'il y a une faille dans mon élocution, ou Joël, dans mon élocution, ou dans mon allocution, ou dans ma prononciation, moi, ça ne me gêne pas que vous puissiez me dire, monsieur Christian, on ne dit pas ceci, on dit cela. Je comprendrai et je vous dirai merci beaucoup. Si vous pensez que dans mon analyse, il y a un problème, avant de m'insulter, donnez-moi d'abord un conseil. Si je refuse, là, vous pouvez me critiquer. Donc, merci beaucoup. C'est l'amour du Congo qui nous pousse à faire ces choses. Ne voyez pas en nous une sorte d'impolitesse ou une sorte de... Ce qui dit l'équipe à tout, tout l'équipe à tout, tout ça à tout. Je le fais avec ce que j'ai. Si on a évité, nous avons battu la bino nyonso. Après, c'est la bino mité, la bino lingi. Congo, tout ça n'a pas moko. Vous posez la question, et monsieur Nabiso Yango, vous posez la question, la numéro est comme un miwana, vous posez la question, pena, mail Nabiso, ou à comme un miwachi libo soana. Mail, ou comme un ango, bosembe, ou tchè se nasuka, ou à bosembek, aérobase, yahoo. Pardon, aérobase, gmail.com. Bosembe, na se, aérobase@gmail.com. Posez plutôt ma question, et ça c'est un très grand plaisir. Quand il y a banque, tu retiens au calamité parce qu'il va passer au moins mingi. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron n'a pas pour ça. Et si mal insulté, pour moi comme mon ami Kuna, patron va travailler dans Zambie. En tout cas, basi baké musika. Donc là va, yo ma mission la faire baisser aux autres sans comme il faut. Place nous à ouais ça le souhaité. Ah? Oya qui? Allez quittez. Polo ça. On est là bas chamanina kali. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah? On nous a mis dans la range non? Comment pourquoi? Ah ouais. N'ego j'ai mis caca. Vraiment. Qui sait quoi? Et en plus na yo qui est commis partout na Europe dynamique Congo commis partout na Europe. Comment pourquoi? Moussala est commis juste partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles, et puis base de la vie soviétique toujours Londres, Angleterre. Bisson la dynamique Congo, tous ans qu'on avance dans le colo.